Bon, du coup, reprenons. Alors, déjà, il faut qu'on fasse un truc qu'on n'a pas fait lors du dernier épisode. On va revenir ici. Et je voudrais voir mes Pokémon, bien sûr. Et récupérer, du coup, le petit Fureglon, bien sûr, qui va être le dernier Pokémon de l'équipe. Alors, Fureglon qui, j'ai vérifié s'il y avait une évolution, enfin, un type d'évolution spéciale ou quoi, une pierre, une méthode ou quoi. Non, c'est Fureglon niveau 54. Voilà. Dans deux niveaux, il évolue. Donc, c'est easy, j'ai envie de dire. D'ailleurs, est-ce qu'on n'a pas des petits bonbons ou des trucs qui pourraient un peu nous aider à booster tout ça? Non, je n'en ai pas l'impression. Mais bon, c'est pas très grave, puisque de toute façon, maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on retourne au glacier Seracrawl. Et quelque chose me dit qu'il va se passer des choses. Mais avant ça, j'aimerais quand même qu'on finisse d'explorer ce petit coin de zone, la petite quête là. Bref, voilà les deux, trois petits trucs. Il y a deux temples de Frimapic, tout ça, on a vu. Bref, histoire juste de d'être sûr quoi de finir. Ah mais je peux décoller direct avec. Oh, je peux décoller direct avec, j'avais pas compris. Ah bah ça va, c'est tranquille. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une plante, très bien. Très bien. Et du coup après tu peux reprendre ça pour remonter, ça te rebump un peu. C'est pas mal en vrai. En vrai de vrai, c'est pas mal. Oh là là. Quel plaisir. Vraiment. Par contre, si je lâche, je meurs, on est d'accord. Descends en piqué. Comment je descends en piqué? Comment je descends déjà? Go, comme ça. Voilà, c'est ça. Hop. Non, lâche. Ah. Ah. Ok, c'est bon, on va y arriver. On va y arriver, au secours. Au secours, au secours, au secours. Tiens, vas-y, viens me chercher un petit peu des trucs, toi. Il est tellement mignon. Par contre, il est trop mimes. Vraiment, il est beaucoup trop mimes. Donc, nous, il faut qu'on aille dans cette zone-là. Ok, donc ce qu'on va faire, on va utiliser Farfurex. On va grimper tout en haut directement. Hop. Voilà. Et là, du coup. Go! On y va. Alors là, on voit rien. Voilà, ici. Alors, je sais pas du tout. Du coup, voilà. Moi, je vous le dis, hein. Très clairement, le centre, c'est le corps hein, de Seracrawl. Et tous les trucs de glace autour, c'est 100% ses pattes. Pour moi, le boss, il est là. Ils ont parlé du fait qu'il était extrêmement grand. Pour moi, c'est totalement lui. Hein. Ça ne peut pas en être autrement. Alors, est-ce qu'il y a des choses... D'ailleurs, je peux tirer des Pokéballs de là. Je peux pas vraiment tirer des Pokéballs de là, mais... Je pensais qu'on pouvait peut-être tirer des Pokéballs. Oh là là, il y a des trucs et tout partout. Est-ce qu'on a des choses ici? Oh, j'adore pouvoir juste me balader comme ça. J'adore. Bon. Attendez, par contre, là, voilà, vas-y, pose-toi en piqué. Alors, à contrôler, il est pas si simple, en vrai. À contrôler, il est pas si simple, je trouve. Il est pas si évident. Voilà, on va reprendre lui. Par contre, c'est beau, cette zone-là. Ah, cette zone, elle est bien. Cette zone, elle est bien. Donc, c'était la zone qu'on n'avait pas. Il y a des furéglons, encore une fois. Mais à part ça, des petits furéglons qui traînent. Cap humain. Tout le reste, on a déjà, quoi. Globalement, j'ai l'impression, tout le reste... On s'était soigné. Oui, je crois qu'on s'était soigné. On va prendre évidemment tout ce qu'il y a là. Histoire de... Oh, le petit stal gamin. Non. Non, non. Non, 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 casse-toi. Casse-toi. Parce qu'il y a les deux. Il n'y aurait pas les deux. Oh, je vais me prendre des coups, ça y est, c'est parti. Je commence à me faire attaquer. Fuite. Vas-y, fuis. Ok. Abandonne le combat. Abandonnez le navire. Hop. Let's go. Bah écoutez, j'ai pas l'impression qu'il y a un Pokémon que l'on n'ait pas ici. Ça commence à devenir compliqué de se repérer avec tous ces... Avec toutes ces montures. Là, on a le Bargantua. Oh putain! Excuse-moi, c'est chez toi. Pardon. Pardon! Ouh! Et la couleur, on aurait dit les... Ce qu'on farmait dans la roche, là, dans Diamant et Perle. En bas, là, dans les petits trucs. M'a fait trop peur. Wow, distorsion spatio-temporelle, elle est où? Elle est... Ouais, elle est loin, flemme un peu. Tu vas pas dire qu'il y en a un, il n'a pas trop de faiblesse. Il a beaucoup de faiblesse, mais on s'est fait kiffer. En fait, on a pris vraiment que 100% de nouveaux Pokémon, enfin de nouvelles formes, quoi. Vraiment, qui a pu me... Non mais écoutez, j'ai l'impression que la zone, on a tout le monde, hein, c'est pareil. Hein. J'ai l'impression qu'on a vraiment tout le monde, globalement, là. À moins qu'il y ait un Pokémon qui soit planqué, il y a encore un Tarsal là. Alors, on va essayer de l'attraper pour la simple et bonne raison que... Que si ça se trouve, ce sera un mâle. Alors je sais plus si on a le mâle, je crois qu'on avait déjà le mâle, mais bon. Dans le doute. Ah, t'es trop lent!
T'es trop lent à y aller. Au bout d'un moment, plancton dans les herbes, on sait jamais. Ouais, bon. Spécimen attrapé, 3 sur 3, parfait. Alors, faudra qu'on booste le Pokédex, hein, par contre. Hein. Pour passer au niveau 7 étoiles, c'est vrai que... On est... parce qu'on n'a pas capturé beaucoup, on capture que des... Que des spécimens uniques, donc forcément... ça va pas très vite. Mais bon, plan de PP. Bon bah écoutez, j'ai envie de dire qu'on a tout là. Globalement, donc faut juste qu'on aille là-bas. À la mission. Hop, vas-y, envole-toi. On va juste aller à la mission ici. Qui est, je crois, par là-bas. À moins qu'il y ait des Pokémon par là, mais... Est-ce qu'il peut y avoir des Pokémon par là que j'ai pas vu? Ouh. Oh, j'ai pris tarif. Faut que j'apprenne à bien maîtriser ce truc, hein. Va falloir que j'apprenne à maîtriser ça parce que vraiment j'ai pris tarif dans la face. Ok, c'est là le... La mission. Ok. C'est là. Alors, qu'est-ce que ça fait? T'es une nouvelle personne ou t'es la personne de tout à l'heure qu'on cherchait? Ah non, ils ont un camp et tout ici, ils ont l'air bien. Mais il y a plein de gens. T'es bien courageux de venir jusqu'ici par un froid pareil. Alors, tu fais partie du corps des chercheurs du groupe Galaxy si je m'abuse. Vous faites des recherches sur les Pokémon afin de créer une sorte de livre à leur sujet. Ouais, on va dire ça. Si je comprends bien, mon Grelasson... Adoré fait donc partie des sujets de votre recherche, bien sûr. Eh, mais ça ne va pas du tout. Vous avez tous fini par en savoir plus que moi sur mon Grelasson, c'est inadmissible. Mes connaissances à son sujet et l'amour que je lui porte sont sans égal, c'est certain. Je veux que tu montes le page de ton livre consacré à Grelasson quand elle sera prête. Ok. Experte trop pro, crache, mais bon, très bien, très bien. On verra pour toutes ces... on verra pour toutes ces quêtes en temps et en heure. Bien sûr. Ok. Pour ça, des petites noix agrumes. Mais alors du coup, bah ça y est, on a vu toute la zone. On a vu toute la zone. Par contre, du coup, celui-là qui... Celui qui voulait nous voir, là, bivouac du glacier retrouvé, Egari. Le problème, c'est que Egari... Alors, est-ce que maintenant, je peux le retrouver, mon Dieu? Est-ce qu'il est dans le coin? Est-ce qu'il est dans le coin? En vrai, je sais pas. Si vous savez vers où il est... Ça, on peut peut-être mettre le bivouac, tant qu'à faire. Mais j'avoue que... Alors par contre, ça va être trop bien de nuit pour voir les... Maintenant qu'on peut voler, pour voir les... Dimoré ou Momartic? Dimoré. Des fois, j'ai l'impression que c'est Momartic. Des fois, j'ai l'impression que c'est Momartic, ça me stresse. Pour voir les morceaux de Spiritomb, ce sera quand même plus simple, hein, très clairement. Donc toi, t'es là. Mais ton pote est où, du coup? C'est quand même bien de pouvoir faire du surplace et tout comme ça. Enfin, du surplace, du plus ou moins surplace. Oui, dans la neige, c'est beaucoup moins moche. Hein. Je trouve que le jeu est beaucoup plus beau depuis qu'on est dans la zone de neige. Hein. Bah, gars, t'as pas des indices? T'as pas des indices pour moi sur ton pote? J'avais donné rendez-vous à Gary à pied de la cascade, mais il n'est jamais venu. Ce n'est pas son genre de se perdre. Je me demande vraiment où il est passé. Est-ce que c'est possible qu'il soit... Vers la cascade? Est-ce que c'est possible qu'il soit derrière la cascade? Peut-être. Je pense pas. Je pense pas qu'il soit allé jusque là, mais... Eh non, ils sont pas allés jusque là. Non, bah je ne sais pas. Je sais pas trop où il est. Si jamais vous savez, n'hésitez pas. Pour l'instant... Pour l'instant, aucune idée. Aucune idée, aucune idée. Au-dessus de la cascade, peut-être. Bah... Pff. Franchement, je pense pas. On a déjà été voir... J'ai déjà été voir, donc on va aller voir, attendez. Parce que j'aimerais bien le trouver quand même, ça pourrait être pas mal. Et je vois pas trop où il est sinon. Je vois pas trop trop où est-ce qu'il pourrait se situer. Y a pas une autre cascade, je crois pas. Moi je crois vraiment pas qu'il y ait une autre cascade. J'ai cru qu'on pouvait se poser là. On va vérifier qu'il est pas là, mais... Non, on est déjà venu ici. On est déjà venu ici, il est pas là. Hein. Hmm. Bah je sais pas, c'est en partant du mec en direction du hameau perle. Voilà, attendez, le hameau perle. C'est quoi déjà le hameau perle? Qu'est-ce que vous appelez le hameau perle? Le hameau perle en partant du mec derrière le hameau perle. Ah peut-être là-bas, ah, mais il serait si loin que ça? Il serait si loin que ça, il serait là-bas au fond. Ah, mais j'avoue qu'on n'est pas, on n'a pas été voir ce qu'il y avait tout en haut. On peut peut-être aller voir ça, je pense. Attendez, on va aller voir ça, tranquillement. Alors, attendez.
Est-ce qu'il se peut qu'il soit là, le gars? Âme aux perles. Ah, sa couleur. Bah... J'ai pas l'impression. En fait, le mec est perdu, ou bien il est juste chez lui, tranquille. C'est ça que je sais pas. Je sais pas si... Je sais pas le mec qu'on doit trouver. Où est-ce qu'il est? Il est à quelques pas du mec du hameau. Mais c'est qui le mec du hameau? Attendez, c'est clairement pas clair là, ce que vous me dites. C'est qui le mec du hameau? Vous avez vu, c'est tout ça quand même le hameau. Hein. Ah, du bivouac. Il est à quelques pas du mec du bivouac. Donc tout là où on était? Alors pourquoi vous m'avez parlé de... Ok, là, attendez, on y retourne. Mais pourquoi, dans ce cas, vous m'avez parlé? Vous m'avez parlé du hameau perle. Alors, attendez, on retourne au bivouac. On va finir par le trouver, ce mec. C'est horrible. On a... Lui, pour le coup, on a zéro info. Pour le coup, on a zéro info. Il est à quelques pas. Il doit être... Je sais pas où il est. Bah, il est là, non? Non, c'est une plante. C'est une plante. Alors, où est-ce qu'il serait? Attendez. Il serait dans le coin. Mais t'es où, gars? Non, là, on se fait voir par le gars. Non. Là, peut-être là-haut. Quand tu pars du mec du bivouac, en direction du hameau, vraiment à côté de la cascade. Ah, comme ça, genre. D'accord, je comprends mieux l'histoire du bivouac, enfin, du hameau. Ah, je le vois. Ah oui, d'accord. Ok, d'accord. D'accord, ok, c'est bon, Egari, t'es là. Ouh, comme ça on a fait sa quête. Hé, le chercheur, t'aurais pas vu, t'es où, du corps des artisans? Il m'a donné rendez-vous au pied de la cascade, mais ça fait un moment que je l'attends. Bah, il est de l'autre côté. Quoi? De l'autre côté? Ah, il est sur autre rive. Anecdote, véridique. Il m'est arrivé la même chose récemment. Je devais retrouver quelqu'un, on s'était donné rendez-vous devant un centre commercial. On attend. 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, bientôt 30 minutes. On se dit, putain, c'est pas possible, il est où? Il était vraiment à l'autre porte du centre commercial. Ni lui, ni nous n'avons eu l'idée de l'appeler. On a vraiment fait ce qui vient de se passer là. J'en peux plus. Ah, si j'étais pas venu, j'étais bon pour me geler les doigts de pied à force de l'attendre. J'ai plus qu'à me dépêcher de le rejoindre si on veut installer ce bivouac un jour. Bon, parfait. Allez, installation du bivouac. Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. On y va. Installer le bivouac, comme ça, ce sera fait. On est good. D'ailleurs, attendez, ouais, comme ça. On est good. Nice anecdote. Il n'empêche qu'il fait vraiment froid ici. Comment ils font les membres du clan Perle? Ah, merci d'avoir retrouvé Gary. On va pouvoir installer le bivouac grâce à toi. Parfait. Alors. On est good. Bah voilà, voilà le travail. N'hésite pas à t'arrêter ici s'il y a quoi que ce soit. L'installation du bivouac du glacier. De toute façon, il y a deux bivouacs par zone globalement. Plus la zone du boss et tout, mais... Globalement, il y a deux bivouacs par zone. Et l'autre qui spawn à chaque fois, on sait pas d'où. Tu t'imagines courir dans tous les sens malgré ce froid glacial comme les Pokémon du coin? Je crois qu'ils ont tous une couche de graisse particulièrement épaisse. J'ai l'impression que quelque chose m'échappe. N'empêche, on peut dire ce qu'on veut, mais je trouve malgré tout que le guerrier aigle, c'est stylé. Mais c'est malgré tout la monture la moins maniable, je trouve. Elle est pas incroyable. Ah ouais, alors là, on t'a fait un gros truc, là. Waouh, 200. Tu vaux 200. Hop, vas-y, tes recherches ont bien avancé. Vas-y, actualise si tu veux. Wow, ok. L'autre, il a une autre quête, par contre. T'as une autre quête pour moi, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? Il fait si froid, je me sens plus mes doigts, je ne peux pas travailler dans ces conditions. Je veux gravir les échelons au sein du groupe Galaxy, et pour ça, il va d'abord falloir que je me réchauffe. Tu veux un Pokémon feu? Tu peux me donner un Pokémon de type feu? Oui, oui, bien sûr. Allez. Allez. Tiens, c'est cadeau, c'est pour moi. C'est cadeau, c'est pour moi, je te fais cadeau d'un simiabrase. Grâce à ton Pokémon, j'ai pu me réchauffer, aller au boulot. Qu'est-ce que tu me donnes? Ça dit, maintenant j'ai bien chaud. Ah non, eh oh, frérot. Il va s'endormir. Si lourde. Il va s'endormir. Non, ah, je dormais. Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu me donnes? Bonbon XP. Eh, les trois guérisons. On commence à arriver sur des trucs, ma foi, un peu sympathiques quand même, là. Bonbon XPL, Archiduc. Hop là. On est bon. On est parti pour aller voir du coup notre ami
Serac Roar, qui est, je pense, bien évidemment, le... Putain, je suis désolé. Je peux pas résister à l'appel. Surtout maintenant qu'on peut voler, je peux pas résister à l'appel. Je suis navré. Si c'est pour encore avoir des Pokémon surcheatés, je peux pas résister à l'appel, bien évidemment que non. Je peux pas. Ok, pardon, c'est bon, on arrête. On y va. C'est parti. Lâche. Bah, ok, comme ça. Alors. Qui on prend? On va prendre bien évidemment Ludovicus. J'avoue que j'aurais pu donner plutôt à l'autre. C'est vrai. Alors par contre, attendez. Je dois pouvoir crafter. J'aurais pu donner à Fureglon. C'est vrai que je n'y ai pas pensé. Ah, je peux rien craft. Je peux craft des... Vas-y, je craft ça. Je craft bien sûr des rappels. Des potions max. Go. Ça. Deux. On craft tout là, on est trop bien. Bon alors, il y a quoi ici? Nous avons quoi comme Pokémon? Givrali, j'ai pas. Givrali, j'ai pas. Tant pis, on affronte Electek avec, mais Givrali, on l'a pas. Donc il nous le faut. Electek vous observe. Alors, ZL, capacité. Déjà, on va commencer par, je pense, un petit Dracochoc. Pour se débarrasser de l'Electek. Je sais pas si ça va le buter, mais on va essayer. Si, c'est bon. L'Electek, ça dégage. On a le Givrali qui va avoir des attaques glace quand même. Donc il va peut-être me défoncer la gueule, Damoclès. Ah, j'aime pas l'idée. Ah, j'aime pas l'idée que t'es Damoclès, par contre. J'aime pas du tout l'idée qu'il est Damoclès. Mais par contre, les failles, c'est trop bien. Hop. Au final, on aura fait... Vous vous rendez compte qu'on aura fait plus de la moitié... En fait, plus de la moitié des évolutions d'Evoli, on les aura eues dans les failles, quoi, limite. Ah, merde. Bon, j'ai merdé. Rip. Pas grave, on en trouvait peut-être d'autres. Là-bas, il y a un Kimorse. Pas grave, peut-être qu'on va en retrouver d'autres, j'espère. Non, mais Evoli, encore une fois. Non, Evoli, pas forcément fan de l'idée, en vrai. Est-ce qu'il peut y avoir des Pokémon volants aussi? J'aimerais bien plutôt retrouver... Qu'est-ce qui est tombé là? Oh, mais t'es là toi? Mais attends, mais quoi? Mais il y a Hachécateur. Mais comment tu peux être là alors qu'il y a Hachécateur? Je suis perdu. Je suis perdu. Comment il peut être là alors qu'il y a Hachécateur? Donc en gros, c'est soit il évolue en Cisa, soit en Hachécateur. En fait, il y a les deux, ok. En gros, on lui fait l'un ou l'autre, quoi. Ok. Ok. Oh, merde. Oh, merde. Selon l'item, ouais. Selon l'item qu'on lui donne. Allez, vas-y. Hyper Ball sur Cisaiox. Let's go. S'il te plaît, rentre. C'est bon, je pense. C'est bon. Si Cisaiox, on dit pas non. En vrai, il nous manque le Givrali, là, dans l'histoire, mais... Mais sinon, c'était pas trop mal. On va mettre une super potion qu'on va remettre sur Muplodocus parce qu'il est pas très bien. Encore. On va mettre une petite potion. Voilà. Non. Voilà. J'ai drop un électriseur. Attendez. Je l'ai eu l'électriseur? Ah, je l'ai eu. Nice. Bon, pour Electek, c'est bon du coup. Hop, on va prendre ça, fil de liaison, tesson rouge. Non, foutez-moi la paix, ça m'intéresse pas. J'aimerais bien en revoir d'autres. Parce que là, eux, ils m'intéressent pas forcément. Non, je vais pas sortir. Non, attends, c'est moi ou quand tu sors et que tu re-rentres, ça les refait spawn? Ah, j'ai cru. Bon, Un petit Givrali encore une fois là. J'ai l'impression qu'ils viennent pas. Peut-être parce que du coup j'ai déjà... Boule de nœud, tu m'intéresses. Toi je t'ai pas.
Par contre, on va avoir Cisaiox avec, je pense. Ouais, on va avoir Cisaiox. Mais boule de neige, je ne t'ai pas. Alors, déjà, faire un petit lance-flamme sur lui. Au final, l'attaque rapide, ça permet de faire des attaques, mais moins fortes. Donc, c'est pas mal. Ok, Bomberk, il risque de me faire des dégâts. Oh, ça n'a aucun effet. Oh, bon, non, tranquille alors. Hop, on va faire un petit style rapide hydrocanon. Ça devrait pas lui faire trop de dégâts quand même, c'est un plant. C'est un plant de poison. C'est juste un poison. C'est... ça va. Ça va. Oula, 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 oula. Non, c'est bon. On pourrait même refaire un hydrocanon classique. Vas-y. Parfait. Bouge plus. Ouais, poudre dodo si tu veux, endors moins. Pas de soucis, une plodocus est pris de somnolence. Et donc là, hop, c'est parti. Ah, j'adore les failles, c'est trop bien. Ah, le Givrali, je suis deg. Après, Givrali, on a une pierre glace, donc au pire, j'aurais dû capturer l'Evoli parce qu'effectivement, le Givrali, on avait la pierre glace. En vrai, on aurait pu plutôt faire ça. Boule de nœud capturée. Cisaiox derrière, non. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent revenir? Je trouve que les espèces qui spawnent... Pourquoi il y a beaucoup de Cisaiox ici? C'est pas logique. Alors par contre, je pense qu'on a... on va en avoir 3. 2 ou 3? Combien? Ah ouais. Ok, on en a beaucoup. On en a beaucoup, mais galopant, on l'a pas. Galopant, on l'a pas. Ça va être compliqué, quand même. Ça va être compliqué. Alors, on va commencer par... lance-flamme style puissant, il faut que ça passe. Je suis paralysé, non c'est bon, ok. Il y a toujours 7-8 espèces qui respawnent en boucle dans chaque fight. Ouais, j'ai l'impression. Mais en vrai c'est pas mal là, le galopa pareil on l'a pas. On a même pas de Ponita en vrai. On a même pas de Ponita, ok. Galopa est blessé par le contre-coup. Je pense que malheureusement, ouais, malheureusement Muplodocus il va y passer. Bon il tient bien quand même Muplodocus hein. Oh merde. Oh, il tient encore. Oh non mais c'est terrible, je me prends 4 coups, qu'est-ce que tu veux faire? Oh bien joué. Oh bien joué. Alors, tu vas nous faire une petite tête de fer. Vas-y. Galopa est très beau dans la faille, j'aime bien. Ah ça n'a pas suffi malheureusement. Bon c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, vas-y. Faut qu'on envoie quelqu'un d'autre. Alors qui va tenir contre ces deux-là? Je dirais Ursa King. Enfin tenir. Bon, en tout cas, Muplodocus, il a quand même bien tenu. Hein. Il est stylé, Ursa King, comme ça. Donc, on va commencer par un petit piétisol pour dégager lui. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir se concentrer sur Galopa. Damoclès. Alors, par contre, le problème de Galopa, c'est qu'il ne fait que Damoclès. Littéralement. Il ne fait que ça depuis tout à l'heure, donc... Mais j'aurais peut-être... Ouais. Ah, merde. Merde, dommage. J'étais en train de dire, j'aurais peut-être dû... Et j'ai pas pu finir ma phrase, mettre en style rapide. Tant pis. Bon, ça me fait de l'XP en vrai, c'est quand même pas dégueulasse, mais dommage. Alors attendez, on va re-soigner Muplodocus. Voilà, et on va heal, bien sûr, Ursa King. Après, le fait qu'on les affronte une première fois, je crois que ça me permet, après, de savoir dans Pokédex leur localisation et tout. Donc en vrai, c'est pas si mal, quoi. C'est quand même pas si mal. Mais voilà, non. Ok, on a quoi d'autre? Continuons de nous balader. Si on pouvait retomber sur un Givrali ou quoi, ça serait sympa. J'avoue, ce serait assez sympa. Derrière. Non. J'entends des bruits. C'est parfait, ça. Dis-moi que tu es tout seul. Ça va. Ok, alors. Bout de feu direct. Il a que des attaques qui lui font mal, lui, c'est terrible. On va faire lance-flamme style rapide, histoire de... Bon, hein. Faut peut-être s'arrêter pour les faire spawn, je sais pas si ça change un truc. Ok, en vrai, vous savez quoi, on va lancer là, ça va peut-être être du gâchis, mais bon, vu qu'il risque de encore de nous faire Damoclès au bout de feu, si on veut espérer l'avoir, on a quand même une hyper. Ah si, ça passe. On en chope pas 150 hein, dans cette faille, mais par contre on en chope des qu'on a jamais vu quoi. Donc ça c'est plutôt pas mal, on a plus assez de place dans l'objet de la sacoche, c'est pas grave. Je pense qu'elle va bientôt s'arrêter malheureusement. Cisaiox non. Là on a
les deux là. Bon, après tout ça, ça pourrait apporter de l'XP en soi, hein, mais là je raisonne vraiment capture et uniquement capture. Est-ce qu'il y en a d'autres? Et c'est fini. Et c'est fini. Bon, c'était quand même pas trop mal. En vrai, c'était quand même pas dégueu, je trouve. Et surtout qu'on a le... Ah, pas du tout. Je pensais qu'on avait le... Le camp pas loin, mais en fait, pas du tout. Ok. C'était quand même pas mal. Pardon. Alors, on va faire plusieurs trucs. Déjà, boîte à objets. Non, pas boîte à objets. Pokémon. Oui. Peux-tu faire... Voir mes Pokémon. Est-ce que je peux utiliser un objet sur un Pokémon qui est là? Eh non. Alors, j'imagine que le l'électriseur ne marche pas tel que je le pense. Normalement, c'est un échange, je crois. Ah si. Je peux lui mettre comme ça, du coup. Bon, bah, vas-y, go. Let's go. Comme ça, nous allons avoir notre ami et les câbles. Je le fais maintenant parce qu'après, j'allais oublier. Donc, très clairement, je préfère le faire maintenant. Regardez-moi cette évolution toujours aussi stylée. Oh là là. Incroyable. Nice. Comme ça, c'est fait. Ok. Donc ça, les câbles, c'est good. Maintenant, on va... si je peux revenir, nanana, pardon. Je vais voir un Pokémon. Est-ce que j'ai des évolis? J'ai plus d'évolis, on est d'accord. Des évolis non évolués, bien sûr. Je ne crois pas en avoir. Je pense que je les ai tous... Je les ai tous fait évoluer, ouais. Oh, par contre, j'ai que 8 places, c'est pas énorme. Ouais, c'est pas énorme. On va récupérer lui. Hop. On en a pas, là, des évolis? Non. On a le tarsal femelle. Mais on a un tarsal mâle aussi. Bon, après, il faut que je fasse évoluer les autres. Donc, pour l'instant, on va s'en tenir, à ça. Ok. Bon. Tiens, vas-y, je te donne encore une fois ce que j'ai eu. 3 Pokémon. Pas dégueu les 3 que j'ai eu quand même. Ouais, là c'est 1000 par Pokémon. Là où tout à l'heure le Tarsal c'était 200. Hein. Donc c'est là que tu vois que bon, il est quand même en mode. Ah, c'est pas dégueu ce que tu m'as amené. Hein. Ok. Que veux-tu faire? Bah, je vais dormir, se reposer et on va cette fois partir à Seracrol. Cette fois on y va. Let's go! Direction Seracrol. On aura. Je trouve bien profiter de la zone. Oh là non. Yep. Voilà. Let's go. Donc là, j'imagine qu'il faut... Ah, je peux pas me poser du tout sur le glacier. Ok. Je peux pas me poser du tout sur le glacier. Donc... Ok. Bon, ça va. Dans ce cas, on va aller... en haut. Il y avait un Zarbi sur le glacier. Ah, il y avait un Zarbi sur le glacier. Je peux en désactivant la monture. Ah. Alors peut-être. Peut-être en désactivant la monture. Alors où est le Zarbi sur le glacier? Il est sur une paroi, il est où? Oui, je peux en désactivant la monture, effectivement. Ah oui, merde. Petit Zarbi! Alors, attends. Wouh! Hello! Voilà. C'est bon. Et maintenant, on y va. On est parti. Alors déjà, c'est ça qu'il fallait qu'on récupère. Avant tout, oh, le Smarcéus qui réagit. Qu'est-ce que ça va nous dire? J'ai hâte de voir ce qui va se passer, puisque lui, c'est le dernier Pokémon un peu roi. Vous recevez un glaçon éternel. Mais j'ai hâte de voir ce qui va se passer derrière, en fait. Une fois qu'on aura fini tout ça, qu'on va peut-être enquêter sur la faille, aller voir les lacs, enfin, il y a plein de trucs, je pense. On est loin d'avoir fini, à mon avis, puisqu'on va revenir dans des zones. Ah, j'ai enfin atteint le sommet. Tiens, mais qui voilà? Ouais, tu volais jusqu'ici pour récupérer un glaçon éternel. Je me demande tout, même ce qui te motive à faire tout cela. Du coup, on n'a pas besoin du... On pouvait y aller sans. Finalement, vous me donnez le glaçon éternel à Garrett. Ta volonté et ton abnégation forcent le respect. J'ai tant d'éloges à faire à ton sujet, mais je dois à présent retourner à l'arène de l'iceberg pour préparer ton combat contre Seracrol. Retrouve-moi là-bas.
Ah, bah alors il est peut-être pas là, Seracrawl, j'avais trop hâte qu'il soit là-dedans. Dernière chose, surtout n'essaie pas d'imiter ce que tu vas voir. Grâce à mes muscles puissants, je peux sauter d'ici sans problème, mais c'est pas ton cas. Ah ouais? À plus tard. Tristesse, rendez-vous à l'arène de l'iceberg. Ah, c'est là. Ok. Ok. Let's go dans ce gars. Bon, j'aime bien, dès qu'il y a un truc un peu chaud à animer ou quoi, ils le mettent en... Genre une porte qui s'ouvre, vous avez remarqué une porte qui s'ouvre, on la voit jamais s'ouvrir. Toujours en fond du haut noir. C'est pareil ici. Alors, let's go. Bonjour. On est parti. Tiens, mais c'est Sifano. Je dois avouer que rencontrer quelqu'un dans ces terres désolées fait particulièrement plaisir. Je suis venu livrer les fortichampis que Garrett m'a commandé. Et j'ai pu entendre deux ou trois choses intéressantes au sujet de Seracrawl. Qu'en dis-tu? T'as pas envie de savoir ce que j'ai appris? Oui, y a pas la déco avec l'étendard sur le glaçon, mais on se disait justement que ça aurait pu être cool, que ça change. Vu qu'ils ont bien insisté sur le fait qu'il était gigantesque, je me suis dit, tiens, peut-être qu'en fait il est là en plein milieu et qu'il dort. Mais bon, c'est pas grave. Si, je veux savoir ce que tu as appris. Ça aurait pu être un clin d'œil sympa. Le contrat m'aurait étonné. Seracrawl, c'est le cinquième monarque de Izui que tu vas rencontrer. Exactement, et je peux vous dire que sa puissance est considérable. Il n'est pas seulement capable d'envoyer une multitude d'éclats de glace, mais il peut aussi faire tomber d'énormes stalactites, ou encore faire sortir des pics de glace du sol. Tu ne crois pas qu'il est un peu trop fort pour toi? Et j'ai cru comprendre que dans les temps anciens, Seracrawl était haut de 30 mètres. Tu ne crois pas que ça fait un peu trop grand pour toi? Mais voilà, 30 mètres. C'est bien pour ça que je mange des fortichampis et que je donne tout à la musculation. Très bien, si nous allions à l'arène. Mais c'est où du coup? C'est une zone qui n'était pas accessible? J'aurais bien aimé voir Seracrawl de mes propres yeux, mais ça me semble un peu trop dangereux. Le mec est torse-poil dans la neige, il a pas froid. Si vous le permettez, il fait très froid ici. Donc je vais vous laisser, à bientôt. À bientôt. À bientôt, cher ami. Salut. Donc. Putain, genre, il y avait un truc ici. On n'est jamais allé par là, je crois, je sais plus. Je crois qu'on n'est jamais allé par là. Bon, en tout cas. Let's go, allons-y. On va juste venir récupérer ça. Hop. Ah oui, d'accord. C'est ça l'arène, en dessous? Non? Je sais pas. Allons-y. Ça doit être au-dessus. On est parti. Ta détermination t'aurait-elle permis d'arriver jusqu'ici? Ou bien ta force serait-elle le fruit de ton expérience dans le monde des humains et des Pokémon? Bien, je vais fabriquer les boules pacifiantes avec le glaçon éternel. T'en fais pas. On m'a appris comment faire, et avec ma force physique, ce sera vite fini. Il y a beaucoup d'endroits qui s'appellent arène quelque chose, hein, au final. C'est un peu des équivalents. Bon, bah c'est parti. Hein. C'est parti. Voilà le travail. À présent, ton rôle est d'aller apaiser Seracrawl. Mais permets-moi de te mettre en garde. Il projette des blocs de glace que je te suggère d'esquiver si tu veux mener à bien ta mission. J'y vais. C'est parti. Oh, la transition était un peu violente. Allez, montre-toi, j'imagine que tu es géant. Il va sortir de tout l'écran, là. On est déjà sur lui. Fais-moi rêver. Oh oui, tu me fais rêver. Ah, voilà. Je dis oui. Le roi des plaines enneigées, Seracrawl. Ok. Bon, on va peut-être s'y reprendre à plusieurs reprises, hein. Comment ça va se passer? Ok. Excusez-moi. Comment? Ok. Et jusque... Alors pour l'instant, on va le laisser faire ses trucs, parce que je pense qu'il est un peu loin de moi. Sauf qu'on a que ça, hein. On peut pas vraiment aller ailleurs. Ah si, je crois que je peux aller ailleurs en fait, mais... Je peux t'en lancer une? Ouais, je peux lui lancer, mais... Pas simple. Oula, j'avais pas vu. Ah, je peux pas descendre de là, en fait. Attends. Ah, voilà, là, il se rapproche, là. Tiens, mange. Hop. Hop, lancer une Pokéball pour vous battre. Go. Trop tard. Malheureusement, trop tard. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Concentration. C'est
trop bien d'avoir des boss comme ça. C'est trop bien. Mine de rien, on lui a quand même déjà bien enlevé. Hein. On a déjà enlevé un tiers, un quart. Ok. Ah, ça, j'ai pas le temps. En fait, si je... Ok. Ok. Faut que je comprenne bien son pattern. Voilà. Et là, maintenant, il va tirer là. Donc, on se décale. Go. C'est bon. On est dessus. C'est parti. C'est le moment de montrer à toute l'étendue de votre puissance. Ça sert à crawl. Ok, c'est parti. Mais au final, on lui diminue pas sa jauge quand on fait ça. Mais derrière, on peut lui balancer plein de trucs beaucoup plus rapidement. Donc finalement, ça passe. Vas-y. Style rapide. Il est au 56. Finalement, on a vraiment trouvé. Oh, par contre, c'est du froid. Je pense qu'on va prendre dans la tête. Oh, ça va. Ça va. Ouais, les boules pacifiantes font plus de dégâts après, ouais. Vas-y. Et là, on se prépare. Go! Go, 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 go. Ok. Ouais, franchement, on le gère bien. Ok, alors attention. On continue le bâtard. Je vais crever. Ah! Oh, le salaud. Je suis vraiment pas bien, là. Il a fait un petit changement de pattern. Ça va arriver par là. Non, c'est bon. Ouah ! Non ! La dernière ! La dernière ! Ouah, mec ! Il se vénère ! Oh, putain ! Ouah ! Ouah ! On conserve la jauge, on y va. C'est bon, on l'avait presque eu, mais... Oh là là ! Ah, par contre, c'est quoi l'histoire de jauge de frénésie? J'ai dit oui, mais j'ai pas... Bon, c'est pas grave. Ah, il a repris un peu, quand même. Bon, c'est pas grave. Allez, on y retourne. Oh, à la fin, là, il était vénère de ouf, hein. Attention à pas me faire ton truc. Ouais, j'ai tapé mes esquives, moi aussi. Ah non, mais attendez. Là, ça allait tellement vite. J'avais même pas le temps de me relever que je re-esquivais, quoi. J'étais en mode... Ok, il y va. Son truc là. Attention. Vas-y, avance. Ok, donc ça va être là. Ah oui, d'accord. Très bien. Super, je suis dans le mauvais timing. Ok, bah à la rigueur, j'ai envie de te dire. Oula, non. Je fais n'importe quoi. Je fais. Je suis dans la merde. J'ai fait. En fait, j'ai été pris. Mais ouais, j'ai été pris dans le. Oui, t'inquiète. Que souhaitez-vous faire? On conserve la jauge. C'est dommage, franchement, on était bien avant de mourir. Vous pouvez choisir de ne pas réinitialiser la jauge de frénésie. Oui, on conserve la jauge de frénésie. En fait, le truc, c'est qu'on était bien la toute première fois. Et là, par contre, je me suis pris la première attaque et donc après, j'étais dans le mauvais tempo. Donc c'était fini. À partir du moment où t'es dans le mauvais tempo comme ça, c'est fini. Faut juste que je sois dans le bon tempo. Et ça le fera. Ouais, ça va le faire. C'est ça, on commence. Vas-y. Ah non, ça va trop vite pour moi, hein. Je peux pas. Hein. Ok, vas-y, là maintenant faut qu'on esquive son rayon. Raté. Ah, je fais n'importe quoi. Oh non!
Ah, je suis sur les pics et du coup ça marche plus. Ah si. Oh ouais mais... Oh non. Je pouvais pas me relever au début. Oh non. Oula, il tape ses meilleures esquives là. Oula. On va pas y arriver. On va pas y arriver. À partir du moment où il me... En fait, j'étais bloqué sur les pics et du coup, je pouvais pas me relever. C'est terrible. Ça va la jauge. C'est quoi si je mets non à la jauge de frénésie? C'est quoi la jauge de frénésie? Vas-y, viens, on met non pour voir. Qu'est-ce que ça fait? Bah, ça le fait reprendre depuis... Pourquoi ça me demande si je veux conserver la jauge si après, derrière, je dis... Mais c'est débile. Mais c'est débile. Pourquoi ça me demande si je veux reprendre depuis le début? Je mets non. Et ensuite, ça me redemande sous une autre formule. C'est stupide. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, on va le faire en one shot, là. En même temps, on est sur le dernier, donc c'est normal qu'il soit un peu plus chaud. Vas-y. Qu'est-ce que ça me paraît facile, ça, maintenant? Et là, j'ai le temps de me redéplacer et d'esquiver, quoi. C'est ça qui fait plaisir. Ok, super. Bon, je dis ça. Relève-toi! En fait, c'est ça. Regardez, je suis bloqué. Je peux pas me relever. Et voilà, trop tard. C'est parce qu'en fait, la glace me bloque. On était bien au first try, c'est bizarre. On était bien au tout début. Vas-y. On va pas l'avoir. Ah merde. Là j'ai pas d'invulnérabilité, on y va. On rebouge. Ok, go. Bon, c'est bon. Ok, c'est bon, on est dessus. Ok. Voilà. Allez, vas-y. On y croit. Ça le bute pas, évidemment. Non. Oula. Vas-y, ça va le faire. Glacière 2. Pourquoi je l'ai beaucoup mieux tenu tout à l'heure? Vas-y. Allez. Go. Alors, tout à l'heure on était plus bas à cette jauge là. Ok, bon, on est à la moitié. À la moitié, il va pas falloir merder. Reste loin au cas où je puisse anticiper un problème qui arrive. Hydrocanon est mieux. Pourtant il est type glace, non? Donc ou alors il... je connais pas son double type. C'est quoi? Roche. Hop. Mais... terrible. Ah bah là. C'est bon. Go. Ok, allez. On va tenter hydrocanon du coup, mais... Parce qu'il est roche, son double type c'est quoi, c'est roche? Ah oui, effectivement. Ok. Bon bah moi, hein, comme d'habitude, je les connais pas bien les derniers. Syracrol, c'est quoi, 5G? Je sais plus. Alors, le problème, c'est que là, je suis à un coup de crever, c'est le problème, en fait. Faut que j'arrive à re-esquiver tous ces trucs-là.
Si j'arrive à tout réesquiver un coup, ça peut le faire. Je pense que ça va être dur, mais bon. Type glace simple. Mais pourquoi le... Bon, bah alors ça, là pour le coup, ça, j'avoue, c'est un vrai, une vraie méconnaissance. Pour moi, la glace craint pas l'eau, ça me paraît bizarre, mais bon. Et je peux pas, le dernier coup, en fait je perds une microseconde. Mais je, pourtant je bourrine hein. Mais je perds une micro ouais seconde, je sais pas. Ça va la jauge. Et du coup, oui go. L'eau comme le feu fond de la glace. Ouais mais je sais pas, ça me paraît un peu chelou. Ça me paraît pas pertinent mais après après ok. Voilà. En même temps, j'avais plus qu'une barre. Là, maintenant, vu que je suis full vie, ça devrait le faire. Au pire, si je me prends un dégât, c'est pas grave. En plus, maintenant, on a hydrocanon, ça va le faire. Franchement, je pense que ça va le faire. Je pense que ça va finir par passer. Il est pas simple, mais bon, en même temps, comme ils nous disent, c'est le dernier des rois avant, évidemment, tout ce qu'on aura à faire. Les légendaires, les machins derrière, mais... Au moins, ouais, celui-là, il est un peu plus... Ça dépend, le Arcanon, on avait un peu galéré. Le Electrode, non. Lui, ça se joue en fait. En fait, c'est juste cette partie-là. Je ne comprends pas. Voilà, tu vois, comment je... Ouais, j'aurais dû attendre encore. J'aurais dû attendre, j'ai merdé. Mais je ne comprends pas comment je peux l'esquiver, en fait, cette partie-là. J'avoue... Je ne comprends pas trop. Vas-y. Alors, je nous refais un hydrocanon puissant. Et là, c'est bon, on le bourrine et je pense qu'on a fini. Vas-y. Ok, allez. Ah non, on n'a pas fini. Ah non, on n'a pas fini, merde. Ah, on n'a pas terminé. Bon, allez, concentration. Je peux esquiver juste en courant, ça me paraît étonnant cette histoire. On va essayer, mais pour moi je peux pas trop esquiver vu que je peux pas sprinter. Ça me paraît bizarre que je puisse esquiver l'attaque comme ça, mais bon. On va voir. Elle arrive. Ok. Deux. Trois. Quatre. Cinq. C'est bon, bon, au pire, c'est bon, on appuie tempo. Donc là, il va se rapprocher. C'est bon. C'est bon, c'est win. C'est bon, c'est win. C'est win, c'est win, c'est win. C'est logique que bah glace. Non, pour moi, ça me paraît pas logique, mais... très bien. Mais ça, moi, ça ne me paraît pas logique dans ma tête, vraiment pas. Allez, c'est bon, ça passe. C'est bon. Go. Allez. Phew, quelle galère! Quelle galère! Ouh, mais au moins... Ah, si c'est de l'eau chaude, mais bon. Justement. Ah, mais c'est une forme d'issuie, en fait, je crois. Attendez, oui. Ah, d'où le fait qu'il soit roche. Ah, 5000, wow. Nice. D'où le fait, d'accord. Le type glace n'a pas de résistance à l'eau. Ah voilà, mais pas non plus de... Mais c'est juste parce qu'il est roche, c'est pour ça, d'accord. Ok, ça me paraît tout de suite plus logique. La plaque glace, on la prend. Nickel. Nickel. Bon. Alors, Maître Garrett, soyez pas triste. Quand je pense qu'un simple enfant a réussi à apaiser l'immense et puissant Seracrawl, est-il vraiment un être humain, au fond? Après tout, il est quand même bien tombé du ciel. Mais bien sûr que c'est un être humain. Il a pris des risques insensés pour calmer les monarques enragés. Comment t'expliquer, Siphano? Garrett aime profondément Clan Père et croit profondément en le Grand Sino. Alors sa plus grande crainte, c'est qu'en nous mêlant au Clan Diamant et au groupe Galaxy,
Notre dévotion pour le grand Sino s'estompe. Mais parfois, les choses changent. Nashara. Grâce à Siphano, j'ai compris qu'avec un Pokémon à ses côtés, on pouvait surmonter tous les obstacles. Moi aussi, j'aimerais être capable de révéler tout le potentiel de mon Givrali et de repousser les limites de mon horizon. Je vois, t'as bien grandi, Nashara. Quel exploit, Siphano! Eh, merci, je sais. Toute la clique. Puisque tous les monarques ont été apaisés, ça devrait avoir un impact sur la faille, non? Eh non, car il y a des choses à faire. Aucune idée, mais j'ai comme l'impression qu'elle a rétréci. Ouais, j'espère que c'est pas juste une impression. Je pense que c'est dans sa tête. En tout cas, avec un peu de chance, nos problèmes sont réglés. Mais de toute façon, si un éclair tombe encore de la faille, on pourra compter sur Siphano pour s'en charger. Oui, c'est vrai, Siphano est là pour nous aider. Ouais, je suis la boniche, moi. Genre, putain. Tu sais quoi, Nashara? Même si on partage pas les mêmes croyances, je pense qu'au fond, vous êtes pas des mauvais bougres au clan Perle. Oh mon dieu! Eh, hey, tu le reconnais enfin? Tiens, parce qu'à gauche, ils sont ultra habillés, ouais. Bref, tous les monarques ont enfin été apaisés. Allons voir si on arrive à redonner le sourire à ce vieux grincheux de Cormier. Ça m'y téléporte? Non, ça m'y téléporte pas. Ok, bon. On a une nouvelle mission qui est ici. On va aller voir vite fait ce que c'est.